5h moins 2, et on va jusqu'à 10h pile, parce qu'après, il y a un programme, il y a des résistances pendant ces 10h. Donc voilà, on va essayer de bien se caler. Alors, on a beaucoup parlé là, donc, jusqu'à présent de montée des étudiants en tout temps, et du, donc, de cette période de la régence, tout à fait fascinante, et de la manière dont la vie a fait l'expression se manifester pour s'exercer dans le contexte de la fin de la monarchie absolue et dans cette parenthèse de la régence. Aujourd'hui, donc, on fait un bond en avant, on ne dit pas Montesquieu, on vient à Montesquieu bien serré contre nous, comme le dit, mais on va parler du contexte contemporain avec donc, le sujet qui a été retenu. Donc, quel est le contexte juridique? Alors, c'est pour ça que les avocats ici présents, comme ça aussi les philosophes, donc on va parler seulement des juristes. Quel est le contexte juridique de la liberté d'expression? La liberté d'expression, elle a des conditions de possibilité, elle a aussi des limites. Alors, on en avait déjà parlé avec Montesquieu, il s'est exprimé sur la question, il a écrit là-dessus. La liberté, c'est quoi la licence? La liberté, c'est bordée par la liberté des autres. Donc, ça, c'est une règle facile à comprendre. Évidemment, qui nécessite des adaptations, une compréhension profonde et surtout une pratique. Et ça, c'est là qu'on est dans une société. La pratique, c'est évidemment ce qui est le plus important, comment ça s'exerce. Et ça ne s'exerce souvent pas comme sur le papier. Alors, pour répondre à la question de l'opposé, la liberté d'expression, cette limite, ces conditions, c'est un peu large, je vous le conseille, mais enfin, voilà, vous allez nous aider à resserrer le propos. Donc, Bertrand Favreau, donc à l'extrême gauche, voilà, ou l'extrême droite pour vous, voilà, donc vous êtes avocat, donc à Bordeaux, voilà, vous êtes bien connu, donc sur la place de Bordeaux, vous êtes inscrit aux barreaux de cette ville depuis 1969, donc c'est aussi autant vous dire que, voilà, vous avez de l'expérience, vous êtes plutôt formé, vous êtes très connu pour votre comportement dans les droits de l'homme. Vous avez connu d'ailleurs, lorsque, à l'occasion de la dévolution d'un prix Ludovic Tardieu, je ne sais plus lequel, mais c'était dans les années 90, ce prix Ludovic Tardieu que vous avez continué à créer, donc au nom de cet avocat, cet homme politique du début du XXe siècle, vous avez contribué à la révision du procès de Pierre Gatou. Donc voilà, le prix Ludovic Tardieu, ils ont décerné à des avocats, pas seulement français, mais aussi européens, voire même extra-européens, qui illustrent dans le domaine de la défense des droits de l'homme. Donc, maintenant, avocat à Bordeaux, à côté de vous, votre collègue, Jean-Marie Curcubiolu, voilà, votre confrère, voilà. Alors, vous êtes avocat aussi, vous connaissez fort bien avec votre voisin, vous êtes connu, c'est pour qui vous intéresse aujourd'hui, vous présidez toujours, hein, ce qu'on appelle la CNCTH. Alors, c'est un acronyme très important. C'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Voilà, donc c'est ancien, ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale par René Cassin, grand exprimé, grand défenseur des droits de l'homme, et qui, donc, à la fin de l'année, crée cette commission. Alors, elle est internationale, mais donc en France, elle a donc avec des liaisons françaises, et donc une de ses tâches, il y en a beaucoup, mais une de ses tâches, c'est de conseiller les pouvoirs publics en matière de droits de l'homme et aussi de droit international. Donc, vous êtes indépendant, mais vous êtes conseil donc, des pouvoirs publics sur ces questions. Donc voilà, donc, c'est une position vraiment tout à fait centrale. Et puis donc, pour vous donner la réplique et pour compléter vos propos, c'est qu'on n'est pas un juriste, mais philosophe. Voilà, le Barbara Sibert, donc vous êtes professeur de philosophie à Bordeaux-Montaigne, dans notre université bordelaise. Vous avez vraiment beaucoup de corps de votre part, alors je ne vais pas les éliminer, mais pour celle qui vous concerne, donc vous êtes beaucoup intéressé à la philosophie politique, en particulier d'ailleurs à l'histoire du libéralisme en philosophie, donc du géant théorique du libéralisme jusqu'au néolibéralisme. Donc, vous êtes une critique tout à fait, résolue. Vous êtes par ailleurs, c'est pas ici que vous direz tout à l'heure, c'est pas tout
constatés innocents, donc vous avez été prévenus au nom de la santé, publique, donc vous avez été prévenus de dire qu'on va venir aux autres, donc en cher, dans le débat public, c'est pas seulement universitaire, donc en cher, vous avez aussi, donc vous intervenez dans le débat public, et d'ailleurs vous avez apporté, donc je vais le dire, vous avez apporté ici un petit nouvel que vous avez publié pendant, la, pendant le confinement, qui était, à, voilà, qui était dans cette collection des tracts de Gallimard, donc un petit petit opuscule qui a eu un grand succès, parce que je crois qu'on en est à 60 000 exemplaires, tout comme ça, un peu moins, on n'a pas loin de 100 000 exemplaires, donc ce petit opuscule qui s'appelle « Que la démocratie rentre en ligne ». Voilà, donc ça viendra peut-être dans le débat, voilà, santé, recherche, éducation, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le type de travail que vous faites en dehors de votre métier philosophe universitaire, mais pour vraiment interpeller la société sur les questions, et notamment les débats, il s'agit véritablement d'un sujet portant sur la liberté d'expression. Voilà. Alors, je retourne vers les avocats, donc peut-être qu'un grand tableau, vous allez peut-être attaquer avec le micro. On a parlé de Montesquieu, donc la liberté d'expression à son époque. C'est avant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est avant la loi sur la liberté de la presse de 1881. Donc, bon, c'est une époque qui a reculé. Depuis, évidemment, les conditions d'exercice de la liberté d'expression de la se sont beaucoup complexifiées. Alors, je vais citer deux dates, évidemment, il y en a d'autres. Bertrand Savon, ça a été une longue marche depuis l'époque de Montesquieu vers l'exercice du plein et entier de la liberté d'expression. Oui, une longue marche en vérité, mais je voudrais pas attendre, sans encourir la censure. Directeur des débats, vraiment remercier le maire de la Brenne, Michel Dupont, pas uniquement parce qu'il m'a invité à participer à cette table ronde, mais surtout en termes de félicitations pour avoir songé à organiser cette célébration du 300e anniversaire. Vous direz qu'à la Brenne, c'était normal, certes, mais si Bordeaux, le gouvernement, etc., a connu dans le passé de multiples célébrations, et notamment celle de 1955, qui n'était pas validée dans cette époque, où, par exemple, M. Masson a apporté des lettres inédites de lettres textuelles inédites qu'il avait retrouvées chez un descendant de Montesquieu à Paris dans les années 50, ce qui prouve que cette célébration existait dans le passé pour d'autres anniversaires. Et on prévient en pensant que, sauf les lecteurs de revues littéraires, etc., alors que nous sommes à 4 mois de la fin de l'année, on aurait pu passer à côté de cet anniversaire essentiel, comme si vous ne le saviez pas avant, vous l'avez compris, après l'avoir entendu, ce qui a été dit. Je ne voudrais pas quitter les lettres textuelles, sans oublier la question qui m'a été posée à laquelle je répondrai, mais on m'a dit que j'avais diminué, alors j'ai encore un peu de temps. Sans dire que c'est effectivement un texte que nous avons redécouvert, que c'est Jean-Marie Carole, qui s'était fait comme moi, et qui porte en lui, non pas une phrase qui peut tourner un hommage à la liberté, mais elle a été remarquée que depuis le début de cette journée, on cite beaucoup de très belles phrases, de très belles peintures. Parfaitement ciselé de Montesquieu, mais qu'il y en a assez peu, je parle de la liberté, bien entendu, venant des lettres personnes. Puisque les lettres personnes, c'est de très français, un ouvrage subliminal sur la liberté, conséquence de la censure, sans doute, c'est le cadre de la rédaction et des conditions de publication. Mais moi, j'y vois un hymne à la liberté, par exemple, dans certaines phrases et certaines mentions, par exemple, la Pologne des troglodytes. Dans mon texte, il dit qu'ils sont laids et sales, et il en donne l'explication, ils n'ont aucune notion de l'équité et de la justice. Et puis, il y a peut-être aussi, je ne vais pas plus loin en passant, ce suicide héroïque de Ronsard à la fin, qui est peut-être comme celui d'Antigone. Le refus de l'ordre établi, des lois injustes, etc. Et
puisque c'est la liberté d'expression qui est en cause dans cette publication étrange qui a été imprimée à Instagram, puis qui a été publiée avec une première page qui provient d'un éditeur de Cologne, qui sans doute était un prête-nom pour cacher le véritable éditeur d'Amsterdam. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais cela ajoute à la problématique. Alors, que dire aujourd'hui? Bon, d'une part, si on parle de liberté d'expression, on va quand même faire quelques secondes fondamentaux. Aujourd'hui, et comme l'a rappelé M. Alain-Juppé, effectivement, on a tendance à l'oublier, certains ont tendance à l'oublier. C'est une aspiration des hommes depuis l'Antiquité, c'est pour le fonctionnement. C'est tout à fait la question. On la trouve, d'ailleurs, paraît-il, dans les temps bibliques, dans le livre de Job, qui serait une volonté de faire participer à plusieurs fois le plus grand nombre de personnes opprimées. On la trouve sous l'Antiquité athénienne, avec beaucoup de réserves sur ce qu'est la démocratie athénienne par rapport à ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie, mais c'est un défendement du séquentiel, le droit à la parole égale. C'est ce à quoi aspirent les citoyens de l'époque que l'on retrouve, y compris dans les communautés d'Aristophane, avec le héros qui tombe sur la crise, qui veut prendre la parole. Qui veut prendre la parole, et c'est donc le droit à la parole. Alors là, je vais enjamber, puisque nous sommes pressés, et arriver à ce moment majeur, qui paraît aujourd'hui un peu biaisé ou dépassé. Et parfois critiqué, ce moment majeur qui se situe le 24 août 1789. Le 24 août 1789, on est à deux jours de la fin des travaux de la signature de ce qui sera la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce que l'on appelle la déclaration française. Et ce jour-là, on vote un article, les deux articles même, c'est-à-dire l'article 11. La veille, l'avant-veille, on avait dû discuter de l'article 10 et celui sur la liberté de religion, et là, ça avait été très compliqué. L'article est pratiquement accepté sans débat, et ils consacrent une liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et on nous dit, sauf en réponse devant la loi. Donc, si la question était comme il était dans le programme, j'ai retenu, y a-t-il la liberté d'expression peut-elle avoir des limitations? Elle en a toujours eu. La réponse est oui. Ça ne résout rien puisqu'il faut savoir quelles seront ces limites. Alors, je vais essayer de parler le débat, si vous voulez bien. Tout ça est très souvent remis en cause, mais il ne suffit pas ici de célébrer monsieur, de dire ce qu'il a vécu, les arbres avec une publication refusée assez légère, puisqu'il avait les moyens de pallier cet inconvénient, et il a été récompensé immédiatement par un immense succès qui a fait la fortune de sa vie. Mais il faut bien comprendre que la liberté d'expression ne va pas de soi. Pourquoi? Parce que chacun la comprend à sa manière. Et je vais aller très vite. Tout le monde est d'accord pour la liberté d'expression en lui. Déjà, lorsqu'il s'agit d'apprécier ce que l'autre a le droit de dire, de vous dire, l'accord est vraiment humain. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est quand même, quand je le dis, c'est quand même l'Europe qui a libéré. Sur ce plan-là, puisque d'une part, l'article 11 de la Déclaration du citoyen française est devenu d'abord l'article 19 de la Déclaration universelle de 1948 et surtout dans sa version régionale, celui de l'article 10 de la Déclaration de la Convention européenne des droits de l'homme. Accessoirement, l'article 19 du pacte international de l'ONU sur les droits civils et politiques, et il est de 1966. Or, qu'est-ce que cette liberté d'expression? D'abord, elle englobe beaucoup de choses. La liberté d'expression, ça n'est pas que libre. Aujourd'hui, elle a été étendue à l'art, elle a été étendue à la
sociale, elle a été étendue à tout ce qui a trait à Internet, elle a été étendue non pas à l'idée, à l'opinion, mais au vecteur, à l'outil qui permet de le transporter, et c'est en ce sens que la Cour européenne des droits de l'homme, parfois, proclame que Internet est un outil essentiel de la liberté d'expression. Alors, il y a une décision de base, c'est la seule dont on parlait, parce qu'on n'est pas ici dans un colloque juridique, maintenant, pour exposer la décision de justice. C'est une décision de 1976, et c'est un des fondements pour comprendre ce qui va suivre. C'est un arrêt Handyside. Il y a beaucoup d'arrêts anglais sur la liberté d'expression, qui ne permet pas toujours de condamner, mais je trouve qu'elle a elle aussi de graves problèmes de liberté d'expression, notamment dans le traitement qu'elle veut infliger à ses journaux. Eh bien, la Cour a fixé une notion qui est maintenant celle que reprend le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, c'est que la liberté d'expression vaut non seulement pour les idées ou les opinions que l'on accueille avec succès, celles que l'on apprécie, avec lesquelles on est d'accord, que l'on pourrait exprimer soi-même, celles qui sont indifférentes, mais aussi pour les idées qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent. Donc, à partir de là, toute idée qui choque peut être protégée par la liberté d'expression et ce qui s'en est suivi. Ce qui indique que les limitations doivent être véritablement surveillées, contrôlées, puisque si chaque pays a le droit, ce serait une législation qui va apporter évidemment des restrictions. Le régime, c'est la responsabilité. Il y a une responsabilité pour celui qui utilise sa liberté d'expression, qui est absolue. Et cette loi va être appelée, va être contestée, notamment par le juge international, encore qu'aujourd'hui, le plus souvent, du moins depuis 2000, le juge interne, le juge des libertés fondamentales, ou les juges des libertés fondamentales, en amont, sanctionne eux-mêmes avant que ce soit un organisme international qui ne soit appelé à le faire sous la forme d'un constat de violation. Et on comprend là, finalement, quelle est la question essentielle, qui peut atteindre à cette liberté d'expression. Les textes sont très clairs en ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'homme, elle dit que c'est l'État par le biais de ses ingérences, ou un groupe d'individus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de censure, et ce sera peut-être une des problématiques thématiques qui sera abordée tout à l'heure. Il y a un groupe d'individus qui peut aujourd'hui faire une action pour empêcher, par exemple, la publication d'un film, la publication d'un livre ou le maintien du web et d'un livre, etc. Et il y a finalement une méthode d'analyse juridique prétorienne, jurisprudentielle, qui s'instaure pour savoir si la loi est invoquée pour permettre cette atteinte à la liberté d'expression est nécessaire dans une société démocratique ou est proportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Alors, sinon, c'est notamment les suspensions d'Internet, comme ça, notamment en Russie, je ne vais pas vous en parler, parce qu'en Russie, quand il y a quelqu'un qui dit des choses qui les blessent, qui choque sur un blog Internet, on supprime tous les blogs des autres, et toutes les adresses IP sont suspendues. Ce qui est plus en termes de proportionnalité, voilà, c'est ça, c'est ça. Je voudrais dire enfin que la liberté d'expression a englobe non pas certainement la liberté d'appel, bien sûr, mais la protection des sources des journalistes. Ce n'est pas pour faire plaisir à personne, évidemment. La Cour européenne est intransigeante, je dirais deux ou trois choses à dire de façon plutôt magnifique de télégraphie. Intransigeante avec la protection des sources et des journalistes.
compris ce qui est pratiquement toujours le cas, donc c'est une leçon civilistique. Parce qu'elle met en balance le droit de recevoir des communications telles qu'elles sont publiées et l'intérêt d'une personne à dire oui, on était propre ceci, on l'a su ou on l'a volé, etc. Et enfin, il y a, je crois, un autre aspect dans cette protection qui est important, c'est que tout ce qui a trait à les discours de haine, la liberté d'expression ne permet pas les discours de haine, l'apologie du crime du terrorisme, l'apologie des crimes de guerre et des crimes de collaboration, encore que on pourrait en parler parce que tout ça ne peut pas être assez avec nuance, mais nous n'avons pas le temps. Et nous avons les discours des groupes qui veulent attenter finalement à la liberté, parce que la protection, ce sera ma conclusion pensée, elle n'est pas fausse, c'est que la liberté d'expression, revendiquée à juste titre, ne permet pas d'atteindre fondamentalement au droit des auteurs de alors, il y a des auteurs qui ont écrit un livre récemment qui s'appelle Les droits de l'homme rendent-ils idiots. Donc, le livre de conclut par un biais de l'industrie, donc un biais de livre provocateur, et il démontre bien que tous ceux qui se sont organisés pour éduquer aujourd'hui, pour cette liberté d'expression, il y a le grand rien de l'éthique, c'est-à-dire, sont des techniques qui sont connues depuis deux siècles, que l'on retrouve dans des manuscrits, c'est-à-dire beaucoup mieux écrits que ce qui est dit aujourd'hui, et que dès lors, je dirais, pour moi, la moralité de ce colloque, c'est de dire mon excuse, très bien, mon excuse, merci, mon excuse, bravo d'avoir enduré pour nous ce système de censure, mais soyez dignes de vie, à vrai, de protéger nos droits et nos droits de l'homme dans le futur, comme tout, sans qu'il soit masqué ou qu'il soit visible. Voilà, je vous remercie. Parfait, très bien. Merci beaucoup pour la parole. Je vais passer la parole à votre voisin, Jean-Marie Donc, vous savez qu'il y a 30 paroles, donc il y a bien posé problème. On est plus au nombre de vos questions, mais c'est compliqué, mais enfin, il est assez facile de tracer le lien. Le monde est beaucoup plus complexe, mais le problème reste le même. Hein, les conditions de liberté d'expression. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, depuis votre rôle depuis cette fameuse commission là, dont on a parlé, comment vous appréciez la situation de la liberté d'expression au regard des législations existantes, au regard des nouveaux usages et des nouveaux médias aussi, des nouvelles sources, Nous avions pensé, mon ami Bertrand Bravo et moi, que c'est notre ami philosophe qui aurait commencé à prendre la parole. Et écoutez, la traité est présente, vous écoutez d'abord. Voilà. Alors, donc, vous avez pensé son choix. Et de mon côté, j'avais pensé que Bertrand Bravo ne parlerait pas tant des droits de l'homme du point de vue de la commission sur le maire de Brésilien, mais c'était incontournable. Par conséquent, je vais commencer par un angle un peu différent. Vous dire que nous sommes donc tous les deux avocats, tous les deux anciens bateliers, lui de Bordeaux, moi de Paris, à peu près du même âge, la même génération. Et depuis presque deux ans, je suis président de la commission, dont je vais parler dans un instant. Mais pour rassurer tous ceux qui pensent que c'est un pari sanitaire, je reviens quand même que j'ai été pendant un peu plus d'un an assistant à la faculté de droit de Bordeaux. À l'époque, il n'y avait qu'une faculté de droit placée à Berlin. Donc, j'ai aussi des quartiers de Girondin, en quelque sorte. Et vos origines sont plus au-dessus. Alors, mes origines sont plus au-dessus, puis en bureau et pas en masque. Pour moi, les Bordelais sont très honorables, c'est vrai. Ça,
change de point de vue parisien. Voyez-vous, lorsque l'on a parlé de la liberté d'expression, on a d'abord essayé de prendre le contexte et de revenir aux sources. Aujourd'hui, j'ai tenu que l'on ne lise pas un petit morceau des lettres de Versailles, et j'ai sélectionné deux très courts extraits. D'abord, l'un des lettres les plus connues, c'est la lettre 129, dont je vais citer quelques lignes. Certains l'ont sursauté. C'est une lettre de Kouchbek à son ami Rézik, avec la Kouchbek et Rika qui voyagent, et les lettres, ils les écrivent soit entre eux, entre Kouchbek et Rika, soit à leurs amis restés en Perse, soit parfois à leur sérail, et je reviendrai dans leurs eunuques. À leurs eunuques aussi. Kouchbek écrit: la plupart des législateurs ont été des hommes bornés, que le hasard a mis à la tête des autres, et qui n'ont presque consulté que leurs préjugés et leurs fantaisies. C'est tort. Ils ont souvent aboli sans nécessité les lois qu'ils ont trouvées établies, c'est-à-dire qu'ils ont jeté les peuples dans les désordres inséparables des changements. Il est vrai que, par une bizarrerie qui vient plutôt de la nature que de l'esprit des hommes, il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois. Mais le cas est rare. Et lorsqu'il arrive, il ne faut toucher que d'une main tremblante. Les législateurs connaissent tous ces dernières lignes, mais il fallait les replacer dans leur contexte. Et il termine sur ce point. On doit observer dans ce changement tant de solennité et apporter tant de précautions que le peuple en conclut naturellement que les lois sont bien saintes puisqu'il faut tant de formalités pour les abroger. Alors pourquoi le décalage? Parce qu'actuellement, tout le monde pense, dans la communauté des juristes, mais aussi à l'extérieur, que le législateur est trop politique et qu'on change trop souvent les lois. Ce n'est pas nécessairement, mais il ne peut pas vraiment. Membre du Conseil constitutionnel qui doit être mentionné. Alors, je vais vous lire une autre lettre moins connue, toujours un extrait, ce sont des courts extraits. Il s'agit de la lettre 68, où Rika écrit à Zurek, donc les deux voyageurs, et Rika a rencontré un magistrat. Et il dit à son magistrat: monsieur, il me paraît que votre métier est bien pénible. Le magistrat répond: pas tant que vous l'imaginez. De la manière dont nous le faisons, ce n'est qu'un amusement. Mais comment, répond les gars, n'avez-vous pas toujours la tête remplie des affaires d'autrui? N'êtes-vous pas toujours occupé de choses qui ne sont point intéressantes? Le magistrat répond: vous avez raison. Ces choses ne sont point intéressantes, car nous y intéressons si peu que rien. Et cela même fait que le métier n'est pas si fatigant que vous dites. Il précise plus loin: nous autres juges, ne nous emplons point d'une vaine science. Qu'avons-nous à faire de tous ces volumes de lois? Presque tous les cas sont hypothétiques et sortent de la règle générale. Ricard est orgueilleux. Ne serait-ce pas, monsieur, parce que vous en faites sortir ces cas de la règle générale? Car enfin, pourquoi chez tous les peuples du monde y aurait-il des lois s'ils n'avaient pas leur application? Et comment peut-on les appliquer si on ne les connaît pas? Si vous connaissiez le palais, reprit le magistrat, vous ne parleriez pas comme vous le faites. Écoutez bien. Nous avons des livres vivants. Sont les avocats. Ils travaillent pour nous et se chargent de nous instruire. C'est Rika et Balmanin rétorquent. Mais ne se charge-t-il pas aussi quelquefois de vous tromper? Pour ma part, j'aurais pu sauter ce passage. Vous ne feriez donc pas mal de vous garantir de leurs embûches. Les avocats ont des armes avec lesquelles ils peuvent attaquer votre équipe.
il serait bon que vous en ayez aussi pour la défendre et que vous n'arrêtiez pas de vous mettre dans la mêlée, habillée à la légère, parmi des gens qui savent pas garder juste vos dents. Voilà donc pour les magistrats et les avocats. Cela me permet de faire une double première conclusion. La première, c'est que la langue de Montesquieu est parfaite. On aimerait encore voir écrire, avec peut-être beaucoup d'appréhension gentille, mais aussi bien de nos jours qu'on le faisait à l'époque. Je pense que ce n'est plus possible, mais c'est dommage. Pour quelle raison? Les raisons sont nombreuses. Je ne vais pas tout de suite m'attaquer à l'éducation nationale. Je ne le ferai qu'après. Dans un premier temps, c'est le langage parlé qui a détrôné le langage écrit. Et si l'écrit revient un petit peu grâce au SMS, c'est insuffisant. Les gens n'écrivent plus de lettres. Les lettres persanes sont avant tout des lettres. On écrivait des lettres, et chose incroyable, à cette époque, elles allaient, théoriquement, d'après les mains, de Paris en Perse, et réciproquement. Par des voyages complexes, puisqu'on voit que dans les lettres, certaines sont perdues, alors qu'elles sont très importantes lorsque Ouzbek donne des instructions au chef des eunuques pour punir les femmes de son travail. Donc j'ai dit premièrement que ces lettres étaient merveilleuses parce que la langue en est très belle. Mais la deuxième chose, c'est que ces lettres sont très actuelles. Les deux passages que je vous ai lus, que j'avais choisi soigneusement, le premier est assez puisqu'on connaît la fameuse main tremblante avec laquelle le législateur doit pouvoir changer éventuellement les lois. La deuxième moins connue, parce que elle attaque les magistrats, mais elle attaque aussi les avocats, donc liberté de l'auteur. Elles sont actuelles parce que ces problématiques existent encore. Et que la notion de liberté d'expression dont nous allons parler, en fait, elle n'a jamais été aussi actuelle, je vais y venir. Je donne un dernier point. Dans ces lettres persanes, il y a presque, je dis bien presque, une image de l'Afghanistan qui revient. Nous parlons de Perse. L'Iran, ce n'est pas l'Afghanistan au sens propre, mais c'est le sérail. Ce sont les femmes enfermées, durement dans le sérail, gardées par des eunuques, dont on nous dit qu'ils ne sont plus des hommes, et que si ce sont des hommes, ils regardent les femmes sans en avoir le désir. Et si par malheur ils en avaient le désir, ils ne pourraient pas le satisfaire, tant pour elles que pour eux. Ces eunuques sont des esclaves. Ils sont traités comme tels, on leur fait confiance, parce qu'ils ne sont pas dangereux. Et ces femmes sont enfermées à un point tel, dans une des lettres dont je n'ai pas le numéro, lorsque deux hommes ont aperçu une femme qui voyageait enfermée dans une boîte, le terme est boîte dans les lettres, ces deux hommes sont mis à mort, parce qu'ils ont aperçu une femme. Et que lorsque ces femmes sont punies, elles ont porté le voile même à l'intérieur du cérail. Lorsqu'elles sont fortement punies, elles n'ont pas le droit de parler entre elles. Et que ces femmes sont nombreuses, ce ne sont pas les quatre épouses que permet la charia, ce sont plusieurs dizaines de femmes. Et je n'ai plus de me défaire, alors que Kaboul tombait le 15 août pour un des talibans, et que je redisais ces lettres persanes, de dire que cette actualité nous rattrapait. Et que ce que je disais auparavant comme quelque chose qui avait existé il y a 300 ans existait encore à nouveau. Ce qui est quand même autour de la question des femmes, du sérail, une apologie aussi d'une forme de liberté qu'elles peuvent en être le jouir. La liberté est-elle que ça finit effectivement par le suicide de Roxane, qui a déjà été évoqué. Les trois femmes dont on connaît les noms, Roxane, Zachy et Félix, se plaignent aussi de leur situation, même si elles prétendent pouvoir aimer Ouzbek, leur maître, en réalité, Roxane écrit « Tu croyais me tromper, tu te trompais, car il en est bien d'autres. » Si
jusqu'à mourir. Donc, voyez-vous, dans ce lettre personnel, il n'y a pas seulement cette histoire ancienne, cet apologue, ce travestissement d'une vérité pour atteindre les critiques de l'État contemporain de l'époque, il y a encore une vérité qui transcende et qui est valable pour le XXIe siècle où nous sommes. La liberté d'expression, c'est aussi la possibilité de jouir de plusieurs des libertés civiles. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, qu'on appelle la CNCDH pour aller plus vite, est donc une institution purement nationale, qui a le rôle national de conseiller les pouvoirs publics, le Parlement et le gouvernement, en matière de droits de l'homme, dont elle doit faire aussi la promotion. Le gouvernement nous saisit, nous pose ses questions. En réalité, il nous saisit assez rarement parce qu'il n'aime pas nos avis, qui sont souvent réservés pour une manière critique. Par chance, nous avons un droit d'auto-saisine de nous saisir nous-mêmes pour rendre des avis. Je l'ai fait récemment tout au long de la crise sanitaire. Nous avons rendu des avis sur la privation des droits élémentaires dont ont souffert les citoyens pour lutter contre la pandémie. Vous vous souvenez très bien, le confinement, le couvre-feu, l'interdiction de circuler, l'interdiction de faire du commerce, l'interdiction de voyager bien sûr, l'interdiction d'expression. La liberté d'expression a été maintenue. C'est une liberté qui n'a pas été touchée, sauf à parler derrière un masque, sauf à garder la distance sociale. Mais le gouvernement ne pouvait pas toucher à la liberté d'expression, car celle-là ne touchait pas directement à l'extension de la pandémie. La question se posait de savoir si toutes ces interdictions édictées par le gouvernement étaient conformes aux principes des droits élémentaires et des droits fondamentaux. Pour pouvoir attaquer ces droits fondamentaux, il faut que les restrictions qui sont apportées correspondent à un triple critère. Premièrement, que ces restrictions soient nécessaires. Deuxièmement, qu'elles soient proportionnées. Troisièmement, qu'elles soient temporaires. Même si cela a été le cas le plus souvent, cela ne nous a pas empêché quand même d'apporter des tempéraments et des maîtres par les avis et les déclarations que nous rendons et qui sont publiées au journal officiel, des critiques. Nous avons par exemple critiqué l'application StopCovid, qui, pensons-nous, mettait en fiche tous les Français d'une manière trop forte, d'une manière exagérée par rapport à la nécessité que l'on voulait en tirer pour la protection contre l'extension de la pandémie. Sans doute notre avis négatif a-t-il été entendu, puisque l'application qui a suivi, l'application tous anti-Covid, n'est pas exactement la même que la première. Nous avons rendu d'autres avis sur, par exemple, la prise en masse d'ordonnances. Vous savez que les ordonnances que prend le gouvernement remplacent les lois lorsque le gouvernement est habilité à prendre ses ordonnances. Les articles 34 et 38 et notamment l'article 38 de la Constitution. Or, le premier état d'urgence sanitaire a été suivi d'une cinquantaine d'ordonnances, dont plusieurs ont affecté gravement le fonctionnement, notamment de la justice. À un moment, certaines détentions provisoires ont été reportées ou arbitrairement prolongées. Cela, bien sûr, est apparu tout à fait apparu incompatible avec le fonctionnement normal des institutions. Donc, la CNCDH est une commission composée d'une soixantaine de membres, plus quatre membres de droit, un député, un sénateur, un membre du Conseil économique et social, on ne voit jamais aucun des trois. Le quatrième membre de droit, on le voit, c'est le défenseur des droits, actuellement la défenseur des droits, Claire Hédon, ou l'un de ses adjoints, Claire Hédon. Et vous devez le trouver dans le professionnel. Alors, la commission.
commission est composée de 60 membres. Premièrement, 30 personnes physiques, des individus, quelques avocats, pas tellement, des magistrats, des représentants des cultes, des sociologues, des philosophes, personnes en charge de la notion d'aide aux individus, et par ailleurs, 30 organisations, ONG, associations impliquées dans les droits de l'homme, parmi lesquelles il y a par exemple tous les syndicats. Il y a dans la commission tous les syndicats de la CGT jusqu'au MEDEF. Il y a aussi Frontières d'Asile, le Secours catholique, la CIMAT pour les protestants, ATD Garmonde, Reporters sans frontières, la Croix-Rouge française, etc. Et donc nous nous réunissons de fermer en assemblée plénière au moins une fois par mois, 11 fois à l'an. Donc ce sont des réunions de, sur les 64, ça fait au moins 50 à 55 personnes, les gens sont assidus, quoique tous bénévoles. Et vous imaginez que depuis la pandémie, très souvent, ces réunions se sont tenues derrière un écran. On imagine. Néanmoins, nous avons fonctionné et rendu des avis. Lorsque je dis que ces avis sont publiés au journal officiel, j'ajoute que ce n'est pas pour ça qu'ils sont contraignants. La commission est consultative. C'est-à-dire que nos avis, c'est une consultation que nous donnons au pouvoir public. Qui parfois nous écoutent, parfois nous écoutent moins. Donc, le compensant, il serait dangereux et même triste peut-être de faire une compensation. Mais ce n'est pas grave, car même si nos avis ne sont pas suivis, il y a des références. Et ceux qui font référence, ce sont les membres du Parlement, les députés ou les sénateurs dans les lois suivantes. Car contrairement à ce qu'écrivait notre ami, Montesquieu dans la lettre 68, les lois changent en tout temps, il faut faire parfois référence aux lois anciennes ou aux avis anciens donnés sur les lois pour voir jusqu'où on peut aller trop loin. Alors je vous interviens maintenant, bon ça va être encore deux minutes, encore deux choses sur les lettres personnelles et les libertés d'expression. Nous avons vu depuis le début de l'après-midi que les libertés d'expression pouvaient être affectées fortement par la censure. Nous avons plus les moyens de tourner la censure, par exemple avec l'anonymat, avec les fichiers en province, à l'étranger, sous un tournant, etc. Mais il y a de nos jours des moyens qui affectent la liberté d'expression autrement plus compliqués que la censure. Je vais évoquer, par exemple, ce qu'on appelle en anglais la cancel culture. On ne peut plus dire tout ce qu'on veut, parce que ça n'est pas politiquement correct. Sauf que je vais faire aussi une table ronde de parole. Très bien, alors je profite aujourd'hui pour le dire. Et c'est très bien que ça soit développé de manière liberté d'expression, on peut continuer. Bon, donc, d'abord, la cancel ça sera dit sans doute beaucoup mieux que je le dis maintenant, naturellement. La cancel culture, c'est le fait de se conformer à ce qu'il faudrait dire. Et il y a pire que la cancel culture, maintenant il y a le mouvement woke. Bon, c'est-à-dire ne pas oublier que celui qui vous parle actuellement est malheureusement un blanc hétérosexuel de plus de 50 ans avec des cheveux blancs, pas esclavagiste, mais peut-être, c'est dramatique. Autrement dit, on ne peut plus avoir un sentiment de réaliser des choses parce qu'à ces deux éléments que j'évoque, s'ajoute la pression des réseaux sociaux qui déversent des contre-vérités librement. Librement au regard de la liberté d'expression, mais fausement parce que l'individu moyen, y compris moi-même, je suis l'individu moyen, ne sait plus parfois à quoi s'en tenir. Je prends l'exemple le plus courant. Je ne me fais pas vacciner parce que je suis vacciné deux fois et même trois fois. Je ne me fais pas vacciner parce que je n'ai pas le retour complet. Alors, le citoyen moyen attend sans doute de pouvoir lire 300 pages de professeur de médecine pour voir le retour complet sur le vaccin. Il suffit peut-être pourtant de savoir que 85 à 95% des personnes qui sont actuellement traitées en COVID grave à l'hôpital ne sont pas vaccinées.
écriture des 5 à 10% qui restent, 90% de ces 5 à 10% qui restent sont des personnes qui avaient des graves comorbidités et qui meurent peut-être avec la COVID, mais surtout de leur autre maladie. Par conséquent, je me fais ici, c'est ma liberté d'expression, le défenseur de la vaccination. C'est ma liberté d'expression. Mais pour autant, faut-il interdire à ceux qui sont contre la vaccination d'exprimer leur opposition? Eh bien non, aussi gênant cela soit constaté, on ne peut pas le faire parce que ce serait contraire à la liberté d'expression. Les démocraties sont fragiles. C'est leur force. Leur fragilité, c'est leur force. Par conséquent, la contestation d'une vérité authentique, scientifique ou gouvernementale n'est pas interdite. Mais il ne faut pas, bien sûr, qu'elle vienne trouver l'ordre public. Et là, on dérivait sur d'autres aspects. Donc, on en termine sur un dernier point. Sur le dernier, c'est la notion de blasphème. Le blasphème n'existe pas en droit français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incrimination au sens du droit pénal, de contestation d'une religion ou d'un dogme d'une religion. Dire que il n'y a pas le dogme qui n'est pas possible, qu'il y ait un prédit en personne, c'est la contestation du dogme majeur de la religion catholique, ça n'est pas un blasphème. Dire que l'Eucharistie, c'est du pain et c'est pas le corps du Christ, la transsubstantiation de la religion catholique, à laquelle ne croient plus les protestants, ça n'est pas un blasphème. Donc, il faut bien expliquer et dire que la religion musulmane n'est pas aussi bien que la religion catholique, ça n'est pas un blasphème non plus. Vous verrez d'ailleurs que dans les lettres persanes, plus je vous engage vivement à relire, il y a aussi une contestation de la religion musulmane par. C'est très intéressant. La contestation du pouvoir politique français, européen, mais aussi la contestation de la religion musulmane. Donc, voyez-vous, la liberté d'expression, c'est un bien précieux. Et ce bien précieux, c'est pas seulement le bien qu'évoque Montesquieu dans l'être personne, c'est notre bien quotidien aujourd'hui au XXIe siècle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Olivier Dubos, professeur de droit public à l'Université Bordeaux, qui m'a aidé à construire toute cette intervention. Je vais vous dire pourquoi, en fait, j'ai vraiment hésité à venir, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai aucune légitimité sur les personnes de mon institut. Par ailleurs, parce que la liberté d'expression, c'est pas trop mon truc. Dans les travaux, parce que je n'ai jamais travaillé là-dessus. Et dans une situation où j'ai beaucoup tout, il y a beaucoup insisté, et finalement je me suis dit, ben, malheureusement, c'est devenu un problème. Malheureusement, c'est devenu un problème, mais ce qui est de plus en plus difficile, je ne vais pas vous expliquer, de m'exprimer en fait publiquement sur un certain nombre de sujets sur lesquels il est possible de prendre la parole simplement, sereinement, sans être caricaturé en complotiste, extrémiste, voire. Crypto-antisémite, parce qu'on pose une question sur tel ou tel aspect de la politique sanitaire et en particulier vaccinale. Le vaccin étant un point d'hystérisation particulièrement effrayant, vous avez deux camps, le camp du bien, le camp du mal, et de côté les anti et pros qui sont dans des régimes de croyances complètement insolents et il devient très difficile d'avoir une discussion rationnelle, scientifique, équilibrée sur ce genre de questions. Alors, donc j'ai appelé à la rescousse Olivier Dubot, professeur de droit public, pour lui pour qu'il m'aide à rédiger ma copie. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'erreurs. Je voulais avant écouter les docs sur la discussion. C'est pour ça que je vais pouvoir en terminer.
Donc là, par exemple, de galanterie inversée qui indique la fin de l'écriture, hein, je vous jure à ça. Alors, diversité d'expression, tu vois aussi la philosophie politique et notre histoire politique contemporaine, donc on peut la Révolution française vers 1880, la République, je vais très vite. Ce qui nous intéresse, nous, c'est moins l'expression d'une intériorité, c'est-à-dire exprimer l'identité de moi profond, exprimer ce qui n'est qu'à moi. C'est moins ça qui nous intéresse, nous, les philosophes politiques appartenant à cette tradition politique-là, que la participation possible de tous à l'espace public et à la prise de parole publique. Je renvoie par exemple à Kant, qui est sous les lumières, publier ses pensées devant un public qui, hein, comme étant absolument indispensable pour la constitution des lumières, pour faire émerger dans la confrontation et par la différence des points de vue quelque chose comme de la pensée. De la pensée. La thèse qu'on a en tête, c'est que la pensée ne vient pas de l'intérieur du sujet, dire mon avis, dire mon ce terme abject qu'on entend partout, mon ressenti. C'est pas ça l'enjeu, dire mon identité à moi, mais l'interlocution et la confrontation dans l'espace public pour qu'émergent les pensées communes et les pensées qui visent du commun, y compris dans le désaccord, souvent le dissensus, pour qu'émergent donc de la pensée commune. C'est ça qui m'intéresse dans la liberté d'expression, ce qui n'a rien de très original, vu mon métier de philosophe. L'enjeu n'est pas au fond la cohabitation atomique des goûts et des couleurs dans l'actualité, ça n'est pas plus la libre expression des identités, même si elle est philosophique hein, du côté des anglo-saxons qui font beaucoup de ce côté-là, donc c'est pas mon siège. Et d'ailleurs, c'est largement les lectures dominantes aujourd'hui dans la liberté d'expression, l'affirmation de son droit, l'affirmation de sa différence, de son unicité. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse ici, c'est la libre participation de tous à la question du savoir, à une visée de l'universel, à la détermination d'une série d'objectifs, hein, pardonnez le grand mot, à la détermination d'un intérêt général. C'est ça qui est important à mes yeux. De ce point de vue, la liberté d'expression des chercheurs dans l'exercice professionnel et dans le débat public m'apparaît comme cruciale. Puisqu'elle souligne ce lien entre le débat public et la visée d'un savoir partagé auquel nécessairement les chercheurs ou les structures de activités scientifiques doivent participer. Elle fait partie de l'une des conditions à mes yeux pour la liberté d'expression comprise comme libre exploration collective de la réalité ou établissement d'un savoir commun et partagé qui restera toujours traversé de conflits. Attention quand je dis libre et établissant la vérité, il ne s'agit pas de par exemple, on va arriver à cette point final de la vérité qui sera terminée, une relance perpétuelle. Rappelons d'abord que la liberté académique est reconnue comme une norme constitutionnelle par sous l'expression, pardon, indépendante des professeurs d'université. Le contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu de l'activité d'enseignement et de recherche des enseignants et chercheurs ne peut à aucun titre être dicté par un supérieur hiérarchique. Ce point est essentiel pour notre juridiction. Il n'y a pas de devoir de réserve du fonctionnaire qui vaille en la matière. On est dans un cadre très différent de celui du professeur des écoles, du professeur qui applique le programme de l'éducation nationale. Ce sont deux choses parfaitement différentes, même si le professeur dans sa classe, des écoles ou dans le secondaire, a une liberté pédagogique. Et là, on a une liberté absolue sur la détermination de nos objets, de nos enseignements, etc. Ce principe est renforcé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui parle de liberté des arts et des sciences comme un principe fondamental. Et très important pourquoi ce n'est pas pour notre amusement ou ce n'est pas quelque chose d'annexe. Cette double protection juridique vient donc créer un lien organique à protéger entre la liberté d'expression de tous et ces libertés académiques qui sont décisives pour nourrir cette liberté d'expression collective. De plus, avec les nouvelles lois sur l'enseignement supérieur et la recherche, la mission de l'université est aussi de participer au débat public, c'est écrit dans de nombreux textes. D'animer ce débat public, de participer, ce qui donne à la liberté d'expression des chercheurs dans l'espace public une place centrale, prolongeant leur liberté académique à la valeur constitutionnelle. Donc je pense que ce point est décisif, et vous pouvez trouver que ceci n'est pas très important, vous pouvez trouver que ceci est un peu un détail. Pour moi, ça n'en est pas un, puisque je vais vous dire que je crois qu'aujourd'hui, tous ces principes commencent à être attaqués, et parfois par des instances d'administration publique qui se permettent des choses qui, à mes yeux, violent ce principe-là. Restez à savoir donc si on peut, c'est pour ça que la
sur les emprunts bancaires, si l'on veut et si l'on doit censurer l'expression des citoyens en général et celle des chercheurs en particulier sur certains sujets sensibles. Depuis le 11 septembre, il y a par exemple une liste d'administratifs dans lesquels certains, les sciences sociales, une partie des sciences sociales, diffusaient, je cite Manuel Valls, je crois, une culture de l'excuse. C'est une attaque par un premier ministre à l'époque contre une partie des sciences sociales qui diffuserait une culture de l'excuse très dangereuse, puisqu'elle serait potentiellement capable d'encourager quelque chose qui remet en question notre donc, premier exemple. Et depuis le mars 2017, sur la crise sanitaire, pendant laquelle certains chercheurs diffuseraient des analyses critiques alimentant le complotisme, voire le conspirationnisme. En gros, le conspirationnisme, ce n'est pas une petite accusation, il s'agit de l'esprit de Trump et de ses amis qui sont allés jusqu'à attaquer le Capitole. Donc, on est là dans des accusations très graves, et donc nous avons de plus en plus de chercheurs, dont je fais partie, qui sont accusés d'alimenter le conspirationnisme. Faut-il censurer en régime d'urgence et face à un ennemi redoutable, soit les terroristes, soit le virus, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un, je ne nommerai pas, parler de l'ennemi, le véritable ennemi, c'est le virus, soit les antivaxes, soit les complotistes, une série d'agents pathogènes dangereux, faut-il censurer en régime d'urgence certains propos, a fortiori quand il s'agit de chercheurs qui se prévalent de leur titre académique pour abuser des personnes faibles d'esprit et impressionnées par le titre de professeur de médecine, professeur de philosophie, professeur de sociologie. Vous voyez, la question aujourd'hui, elle ne cesse d'être reposée. Alors, un deuxième appel, je regarde là, en droit public, la liberté d'expression, vous direz si je me trompe, n'est jamais complétée ou bornée par la censure. Il s'agit de deux régimes juridiques complètement incompatibles. On pourrait dire la censure, oui d'accord, une intervention derrière, faut-il censurer? Oui, à un certain point de vue, ça vient orner de manière rassurante une liberté d'expression dénudée. En réalité, liberté d'expression et censure sont deux régimes juridiques opposés, incompatibles entre eux. Le régime de la liberté d'expression, c'est le régime répressif. C'est un peu contre-intuitif. Le régime répressif, ça veut dire le régime dans lequel on réprime s'il y a une transgression de la loi, par exemple, incitation à la haine. Le régime de la censure, c'est le régime préventif, c'est-à-dire qu'on prévient en amont ce qui est bon de dire et ce qui est mauvais de dire. Donc, c'est pas, on va pas régler un problème après coup, on a des commissions de censure et donc ça suppose une police administrative de l'opinion et de la presse. Mon inquiétude, c'est qu'on est en train de basculer du régime de la liberté d'expression, avec ses problèmes, qui remonte à 1880, effectivement, la loi sur la liberté de la presse n'étant pas du tout une loi sur la presse, mais une loi sur beaucoup plus que ça, c'est-à-dire la liberté d'expression, dans l'espace public. On est en train de basculer de ce régime-là à de plus en plus un appel à un régime de censure. Moi, j'entends autour de moi des gens qui disent du fiscal, du les réseaux sociaux, du la pandémie et bientôt du tel état d'urgence. Ça va bien, hein, la liberté d'expression, il va falloir lutter tout ça et mettre en place des commissions pour, en amont, faire le tri entre ce qui est autorisé de dire et ce qui n'est pas autorisé de dire. Ce processus s'est accéléré sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, louons-nous de la lutte contre les fake news, hein, on va parler français, les fausses informations, et du populisme, avec une police des réseaux, de plus en plus aidée d'une police des réseaux, confiée à des pouvoirs privés. Il y a eu le problème de la loi APIA, je ne vais pas t'en revenir, qui a heureusement été largement censuré, alors pas au sens du régime de la censure, par le, on dit retourné souvent dans le langage, dans le jargon, par le Conseil constitutionnel. Ces questions ont cessé de se renforcer avec le contexte de la pandémie, jusqu'à atteindre des médias traditionnels, même s'ils sont en ligne, un journal que je ne citerai pas, très important, censurer purement et simplement le blog d'un chercheur que je ne citerai pas qui menait une enquête sur les chiffres des CDC et des centres de pharmacovigilance et sur les effets secondaires des vaccins. C'est comme ça, tu vois, tu peux. Non, je vous rassure. Merci. Alors, le motif invoqué par ce journal que je ne citerai pas,
c'est que le chercheur que je ne citerai pas, parce que je n'ai pas le talent dans les que j'aimerais bien, le chercheur que je ne citerai pas aurait diffusé des fake news. Il s'agissait d'un blog, c'est-à-dire un blog pour raconter votre livre, votre livre, vos amis, vos tourments, vous êtes trouvés en réalité. Et aussitôt, un centre de. Enfin, une institution publique que je citerai, le CNRS, après une tribune de gens que je ne citerai pas, chercheurs du CNRS, ont demandé à un grand alors le CNRS a cédé à la pression et a demandé que l'ensemble des chercheurs du CNRS restent dorénavant dans toute leur prise de parole, s'en tiennent dorénavant à leur strict domaine de spécialité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nous avons une hyper-spécialisation du savoir. Nous, les chercheurs, les universitaires, n'aurons plus le droit de parler que de ce que nous avons éprouvé par des articles. Ça veut dire que nous allons, dorénavant, devoir nous faire en tout reste. Résultat, depuis quelques mois, quand nous initions, comme je le fais avec des collègues de santé publique, des travail de tribune, des questionnements, par exemple, nous avons questionné et contesté, comme le comité britannique, la vaccination, l'extension de la vaccination obligatoire des 18 ans, le comité britannique de la vaccination est contre la vaccination des 18 ans, en dépit des pressions actuelles de Boris Johnson pour qu'il lève cette extension, cette avis. Voilà, aujourd'hui, dire ce genre de choses, bien qu'elles soient impossibles, mais nous avons des collègues que je ne citerai pas, qui nous disent que tout ce qu'on raconte est bel et bon, extrêmement rigoureux, très intéressant, et qu'ils ne pourront pas signer cette tribune. Ils ne pourront pas signer cette tribune parce que sinon ils vont le payer très cher. Donc nous sommes en train de basculer dans un régime de censure. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de police administrative, mais Frédéric Vidal a quand même demandé à ce que l'université, le CNRS mette en place, le contrôle des études au nom de cette fameuse, de ce fameux ravage de cette parcelle culture. J'entends bien, nous avons une maille à partir. Avec à l'université Cantonotel, la fameuse affaire à Gazinski, on a vu ça. Parce que quelques excités voulaient que l'affaire à Gazinski soit censurée. Ça existe. Et moi, je veux bien, je parle de la cancel culture, on entend cette notion de cancel culture dans tous les sens. C'est-à-dire que la culture de l'annulation, annuler la famille quelqu'un parce que ce qu'il dit n'est pas dans la ligne, par exemple, sur la politique vaccinale, alors dans ce cas-là, oui, c'est ça aussi la cancel culture. Donc il y a de plus en plus des systèmes d'obsession. Quand ce sont des groupuscules néo-féministes ou transiers, ça me dérange, certes, mais quand il s'agit de pouvoir public, du gouvernement lui-même, d'un ministre, d'une administration publique, il s'agit d'autre chose. Et là, on est dans un thème de Montesquieu. Le pouvoir, il veut toujours aller plus loin dans son pouvoir, et il faut que le pouvoir, les pouvoirs, arrêtent le pouvoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est cela que je retiendrai sur la liberté d'expression. Il y a une nécessité, nous disions toutes, pour défendre les libertés académiques des chercheurs, leur liberté aussi à s'exprimer dans l'espace public, pour dire des choses avec lesquelles nous ne sommes pas du tout d'accord, pour dire des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, parce que c'est cet esprit de l'université, cet esprit de la recherche, qui permet les libertés d'expression qui soient autre chose que quelque chose qui mène à une sorte de sécession, de guerre de tous contre tous, de mon goût ou mon identité contre la tienne. C'est un espace fondamental de confrontation des idées et de la pensée. Voilà, je t'en remercie. Comment ça vous avez-vous écouté?
Ah non. Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que je connais son ouvrage, je suis un des auteurs d'un rapport de mai 2020 qui démontre que toutes les mesures prises par le gouvernement français depuis février sont des violations des droits fondamentaux de la personne. Donc, vous ne pouvez pas me suspecter. Non, non, mais c'est... Oui, mais non, mais je prends des précautions, mais c'est ce que je vais vous dire après, peut-être pas plus clair. Non. Donc, il est d'ailleurs en ligne, il est accessible, il a été fait par Emmanuel Serge, Anne de Metz et Stop Community, et votre service. Bon, ceci étant, ça c'était une analyse théorique, etc., qui ne se prononce pas sur la situation scientifique et les informations au regard de la santé publique que nous n'avons pas. Bon. Deuxièmement, je vais vous dire aussi, si vous permettez, que vous me l'avez dit avant, l'idée du coup, c'est un ami très cher, que j'ai fait même deux livres dans lesquels nous avons co-écrit et qui n'a jamais eu l'effet sur un papier de cigarette entre nous dans nos communications ou nos discussions. Bon. Et à partir de là, je vais vous dire, je comprends, moi j'entends très bien ce que vous dites, mais ça c'est un malaise, c'est un malaise de venir dans la université, dans les relations avec la presse, etc. Moi je considère que la France reste un État où on a des recours. Donc tout ce dont vous craignez est susceptible de recours. De constat de violation de vos droits fondamentaux et même de remise en état de votre situation. À partir de là, moi j'ai tendance à considérer que tant qu'on ne vous interdit pas d'exercer des recours, s'il y a des tyrannons au sein de l'université, ça n'est pas un régime de censure administrative préalable qui entrave la liberté d'expression, comme on a vu qui existait d'ailleurs. Il a réexisté d'ailleurs au XVIIIe, puisqu'il a été réinstauré très vite après la Révolution. Bon. Donc, c'est vrai que c'est votre liberté d'expression. Et qui vous empêche? C'est la sanction de votre corps. De votre corps qui va dire non, 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 attendez, pas qui, oui. Donc, ou alors c'est un journal qui, pour préserver son lectorat, va refuser de publier une motion, un appel, ça, je l'aurais pensé. Oui, vous avez toujours un recours. Et même si le recours interne n'a rien qui est vraisemblable, vous avez des recours au-delà. D'ailleurs, je suis là-dessus, puisque je ne sais pas si je vais parler sur là. Mais vous avez, dans d'autres pays, une jurisprudence rhétorique, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, sur les gens se plaignent. Atteinte à leur liberté d'expression, etc., pour des mesures antisociales, etc., qui amènent, figurez-vous, des excès. Il y a dans certains pays, je ne citerai pas les avocats, on parle de ce que vous connaissez, qui ont été emprisonnés parfois pour un an, pourquoi ? Parce qu'ils lançaient des appels à libérer des détenus en l'absence de mesures sanitaires protectives qui risquaient d'être contaminés, y compris un. Il avait un certificat médical de la prison qui constatait que la COVID-19 avait été constatée. Donc, c'est partout pareil, c'est un régime extraordinaire. Je ne pense pas que les recours aient été accueillis en France. Alors, même si je partage sur l'atteinte aux droits fondamentaux du sentiment, les gens écrits et signés, je ne reviens pas, mais je pense que je ne suis pas bien fait comprendre. Pour moi, le régime juridique, c'est contradictoire avec la règle, c'est-à-dire le régime juridique de liberté d'expression, est toujours celui en vigueur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je parle de questions, et pas de n'importe qui, pas de n'importe où.
je parle de pression de la, par exemple, c'est pas un exemple, c'est quelque chose d'impératif, la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, demande à ce que le CNRS fasse une commission pour contrôler la validité des recherches des chercheurs, c'est-à-dire contrôler les sujets sur lesquels on a le droit de chercher et pas le droit. C'est très politique. Que des chercheurs, des enseignants-chercheurs ou des chercheurs du CNRS écrivent une tribune pour demander qu'on rappelle à l'ordre de manière disciplinée un chercheur pour limiter sa liberté d'expression parce que ses propos sont jugés dangereux. Ça, ce sont des choses, enfin, moi je connais ça d'un mais voilà, je ne connais que les dernières décennies, je n'ai pas traversé tout le 20e siècle. Mais ce sont des choses auxquelles je n'étais pas habituée, ce sont des questions nouvelles qui viennent, y compris de l'intérieur de madame Vidal et universitaire. Donc vous avez à l'intérieur de l'université des questions qu'il faut, à mon avis, identifier. Après, chacun a le droit de s'exprimer et chacun le droit de dire moi je suis d'accord, moi je ne suis pas d'accord. Je vous dis juste pour moi, c'est mon point de vue. C'est dangereux. Et quand on couple ça avec la demande sociale très forte d'une réglementation des réseaux sociaux pour que n'importe qui n'ait plus le droit de dire n'importe quoi et qu'il y ait un contrôle en amont qui soit confié aux GAFA eux-mêmes pour faire la police en fait des opinions, ça donne, si vous voulez, un cocktail qui est très clair. Je suis d'accord avec vous, ils n'ont pas gagné. Nous sommes d'accord. Et ça, Thomas est là, on très bien. Mais il y a danger. Je ne suis pas trop apprécié du ministre, mais je veux apprécier les organisateurs pour faire un petit ministère. Je ne sais pas, mais je vous donne la parole et vous dire que vous avez la responsabilité du dernier mot. Et je vais conclure facilement. Facilement. La liberté d'expression existe en France encore. Elle traverse une période difficile. Lorsque nous avons évoqué il y a quelques instants la loi AGIA, la loi AGIA était pavée de bonnes intentions. Il se trouve que pour une fois, j'ose dire de manière outrecuidante, que le Conseil constitutionnel a suivi la CNCDH, car nous avions rendu votre avis des plus réservés, extrêmement négatifs sur la loi AGIA. Nous avons été satisfaits de voir que l'autorité suprême a rendu un avis dans le bon sens. Bien. Mais je dis, je termine, la liberté d'expression existe complètement, mais elle est fragile, et la situation qu'évoque Mme Soutenay est effectivement une situation réelle, préoccupante, surtout lorsque mon ami, l'excellent Bachelet, a produit exercer des recours, mais ils ne donneront rien à ce qu'il y a. Alors, ça ne satisfait pas non plus. Alors, en France, il y a des recours européens, bien sûr, nous n'avons pas eu le temps de parler à la Cour européenne des droits de l'homme, comme le Cour de Strasbourg, qui est européenne, et qui peut donner des résultats et condamner la France, et ensuite espérer avoir un retour totalement approfondi. Autrement dit, ce qu'il faut garder présent à l'esprit, surtout aujourd'hui, sous l'œil attentif de Montesquieu, c'est que la liberté d'expression est un des biens les plus précieux.